Salut à tous, bienvenue à cette 45e vidéo. Bon là je me suis mis au bon endroit, c'était pas dur hein. C'est pas dur à trouver. Et là même système qu'avec les lianes. C'était où? C'était au Mont Magma qu'il y avait des lianes comme ça. Voilà, en fait comme ça. Et non, je me suis paumé, c'est pas ça. Merde. Comment on fait du coup? Ah ah ah. Non. Naïf. Donc c'est pas par là. Là on est allé. Darvenant, comme dans Pokémon. Donc j'arrête pas de faire des références à Pokémon. Je suis pas un gros fan de Pokémon, hein, du tout. Mais bon voilà. Ça fait partie de mon premier jeu sur le portable. Enfin, je vous avais déjà raconté ça. Hein. Donc du coup, forcément, j'ai des souvenirs d'Arvenant et tout. Bon. Voilà. Bon bah je me suis repaumé là. Parce que c'était pas par là qu'il fallait aller. On va remonter. Merde! Eh mais une sous là. En plus, le gros nerveux là, j'appuie sur toutes les touches comme un con. Je me crois dans un jeu de combat ou quoi? Alors, voilà. Oui, je dis, je me crois dans un jeu de combat parce qu'il y en a. Enfin, tout le monde même. Quand on ne sait pas jouer au jeu de combat, on brûle toutes les touches comme des cons. Ça sert à rien, c'est pas grave. Là, on peut pas sauter parce qu'on n'a pas encore activé le truc. Et là, à quoi ça sert? J'en sais rien. Ça je sais, je suis déjà allé. Ah, c'est là que j'étais pas allé. Voilà. Ah bah c'est bon, je suis plus paumé comme ça. Alors comment on va là, j'en sais rien. Faudra tomber peut-être, je sais pas. Je vais pas arrêter de le faire. Mine de rien, ça limite quand même les nombres de combats. Ouais. Voilà. Donc voilà, au sommet. Malheureusement, on ne peut pas mettre le comment? La pierre. Enfin, comment ça s'appelle ce merde? L'étoile de Jupiter, voilà. Vu que c'est bouché. Ouais, ça sera trop beau. Donc bah du coup, on va devoir faire en sorte de le déboucher. Voilà. Et là on utilise... Pourquoi je fais ça? Non, c'est pas ça. Peut-être flotter? Tourbillon? Non. Je m'en rappelle pas. Ah, c'est assez flotté. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller au village chaman en premier. Et là ça fait un putain de bordel. Et voilà, ça allume tous les trucs comme ça, tous les petits rayons entre parenthèses. Enfin guillemets plutôt. On s'en fout. Voilà. Et du coup, bah. Tous les espèces de canaux, on va dire, sont allumés, donc ça permet de faire flotter
espèce de petit pilier là. Je sais, j'ai aucun vocabulaire, machin. Donc je dis. Enfin, j'appelle ça comme ça. Enfin, vous comprenez de toute façon, donc c'est bon. Non, mais ça sert à rien d'aller par là. On remonte là, ça sert à rien, ouais. Donc, je me suis bourré de chemin, comme par hasard. Donc c'était dans l'autre sens en fait. Là je sais pas s'il faut pas aller à gauche ou... C'est pas là d'où je viens ça? Si. Putain, il y a trois routes. Les deux premières que je prends c'est les mauvaises. Bon bah donc c'est par là, forcément. On peut pas, putain c'est quoi dire. Ah bah on retourne au... ouais. Donc attendez. Je vais retourner au début du coup. Vu qu'on a allumé le truc. Ouais. Et ça on va toujours pas allumer. Par contre ça c'est bon maintenant. Je me paume légèrement. Voilà, et maintenant, on peut passer par là. C'est quoi cette attaque Nirvana, sérieux, ça? Je vois même pas pourquoi ça fait ça. C'est quand même du fantaisiste, le mec. Putain, mais ça le fait quasiment à chaque coup en plus. Je sais pas où ils vont chercher toutes ces attaques, sérieux. Enfin bon. La synergie flottée. Hop, cyclone. On peut enfin atteindre cette partie du phare. Vous vous dites là, il est pas sur Oxa le phare, mais je vous ai dit, il y a des dialogues et tout, et c'est pour ça que ça va être un peu long. Pas trop joué là. Ok. Ouf. Il a fait se prendre un putain d'écart dans la gueule. Voilà. Donc ça c'est bon. Remonte. En fait, je dis que c'est facile de se perdre, mais c'est bon, j'ai la route. Dès que je suis bloqué, faut que je prenne la clé rouge et que j'aille au truc. Donc c'est bon, j'ai la route en tête. Hein. Voilà, il a augmenté sa défense pour rien, ce qui fait massacrer quand même. Alors, est-ce que je vais en haut? Ouais. Ça, je serais plus bloqué ici. Ouais. Bon, ça va, je perds pas trop de temps pour l'instant. Ah oui. Ouais. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Est-ce que j'ai débloqué un truc ou... Oh merde, je vais pas faire ça.
Ouais, là je suis paumé là. On va attendre de flotter. Et en plus, si je me paume, ça va pas le faire. Est-ce qu'il y a un truc en haut là? Non, il y a rien ici. Attends, je vais mettre flotter en deuxième. Non, j'avoue que là je sais pas trop. Je suppose que vu que j'ai utilisé le paratonnerre et tout le bordel, maintenant il faut que j'aille en haut quoi. Au sommet du phare. Et si j'avais utilisé l'ascenseur au lieu de faire fuir, j'aurais pu aller au sommet, mais là je suis obligé de tout m'en taper dans l'autre sens. En plus je fais n'importe quoi. Il va avoir envie de dégueuler à force de tourner dans tous les sens comme ça. Ouais. Non. Ah bah d'accord, j'aurais pu passer par là. Bon, tant pis. Ah. Un dragon bleu. Ah, quand même. Il résiste. Enfin, il s'est pas pris trop de reliques quand même. Et vous avez vu à chaque fin de tour, entre les PV et les PP récupérés, là c'est un putain de gros bordel. Vous aurez à la fin du jeu. Ah bah oui, je sais où faut aller. C'est vrai que maintenant on peut. On peut aller à droite maintenant là. Oh, je me suis même pas gouré de chemin depuis tout à l'heure, alors, putain. Pour toi, j'aurais pas recommencé la vidéo parce que je me suis paumé. 36 pouvoirs, un monde de combat serait sympa. Enfin bon, les combats, on en a besoin. Hein. Faut bien XP. D'ailleurs, pour les 4 gros boss, parce qu'il y a 4 boss, vous avez dit un de chaque élément. Ah merde, ça va pas débloquer du tout là. Oui, je vous ai dit, il y a un boss de chaque élément. C'est des boss optionnels tous les 4. Ouais, je vais peut-être devoir faire un petit peu d'XP, un petit peu beaucoup. Donc, je le ferai entre les vidéos, hein, bien sûr. Par où faut aller là? Ah, c'est à droite. Alors comment on atteint cet endroit là? Pas la moindre idée. Donc c'est un truc en bas. Alors, je vois pas trop comment on descend là. Est-ce que ce sera comme ça? Y'a pas de truc qui monte ou non? Non, peut-être qu'il faut monter tout en haut. Ouais. Non, mais là je remonte, c'est pas bon. Enfin, il faut que j'atteigne en fait l'endroit que j'ai illuminé là, on va dire. Le truc c'est que je sais pas par où c'est. Là, je vais m'en retourner, retrouver au sommet, ouais. Si je fais ça, ça me rend fou tout en bas, non? Je descends même pas l'ascenseur. Merde, 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 merde. En fait, vous voyez les deux trucs. Il va falloir enlever, utiliser les deux fées. Enfin, les fées, les anges plutôt. Pour. Enfin, les activer quoi en clair. Pour soulever le couvercle. Enfin, si on peut abaisser un couvercle. Le seau, on va dire, plutôt. Ce sera plus classe ça.
Putain, 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 putain. Je suis complètement paumé. Ah, je sais pas comment faire là, ça m'énerve. Y'a rien par là. Ah, mais quel. Je suis vraiment le roi des cons. Putain, en plus, je fais n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, maintenant, retour là. À l'endroit où il y a la clé rouge. La porte rouge. Il y a une porte bleue aussi, hein. Je crois que vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Non, c'est pas par là. Faut descendre, donc c'est vers le bas, mais je sais pas si utiliser fuir, ça sera plus rapide ou... On en a un peu, que ce soit plus rapide ou pas, je le fais. Bon, je vous ai dit, hein, c'est assez facile de tourner en rond ici. Tant qu'on n'a pas trouvé le truc pour nous débloquer. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Putain, je fais esquive, je me prends un monstre. Alors que jusqu'ici, tout était parfait. Donc, désolé de ma progression minable. La porte rouge, où elle est. Donc, attendez. Je finirai bien par l'atteindre. Non, putain, pas ici. Putain, je me rappelle qu'il fallait prendre un truc qui souffle vers le haut là. Non, je sais plus comment l'atteindre. Putain, mais depuis que je fais esquive, je me prends plus de monstres qu'avant là. C'est quoi ce délire? Putain, mais. Je suis vachement utile, récupère 3 PV, tu sais. On va quand même faire ça, on sait jamais. Ça se fout de ma gueule, là. Putain. Je suis complètement paumé. Attendez. Non, c'est pas par là, tu sais. Je crois que c'est justement vers la gauche là. Attendez. Non, bah, de toute façon, vu l'effet d'esquive, il fait plus effet, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah, bah, je crois que j'y suis là au truc. Ah, c'est ici. Rupture. Donc rupture, c'est un truc pour enlever toutes les améliorations qu'il y a sur les ennemis. Ça sert pas trop. Hein. Il y a un boss à la limite sur lequel ça pourrait servir. Donc là, on utilise la clé rouge. Voilà. Et on se retrouve ici. Merde, j'avais oublié ça. Putain, on se prend le mur dans la gueule. Non, en fait, pour passer, c'est tout con. Faut tout simplement passer au bon moment. Ouf. J'ai fait mieux prendre. Voilà. Et là, on voit un espèce de sagittaire, on va dire. Enfin, c'est un archer, quoi. Non, merde. Voilà, ah, la clé bleue. Et ben voilà, ouais, donc on va se quitter ici. On est obligé de tomber dessus, ouais, je me rappelle de ça. Voilà, donc ben, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, salut.